Salut YouTube, comment ça va? Bon, on continue, hein. Continue. Plein de choses à faire. J'avais mon jus épicé. Mais qu'est-ce qu'il aime bien manger lui? C'était pour qui? C'était pour lui ou pour... Ah non, lui il n'aime pas. C'est vrai que lui il n'aime pas. Peut-être comme les autres, ça c'est du déjà fait. C'est pas le suite, mais hein, j'ai gagné d'un concours de pile sur. J'ai fait des boosters. Je me suis implanté des boosters et puis voilà. Alors c'est bon, ça va. J'ai un régime strict. Ah, je crois que c'est les maquis. Déteste le tabasco. Pas que le tabasco, mais tout ce qui est épicé. Ah! Qu'est-ce qu'ils veulent bouffer? Non? J'ai pas l'impression. Je suis toujours dans ma besace magique. Non, pas du tout. Ah oui, il y a l'autre qui avait faim. Qui doit quitter le travail là. Eh ben... Texto ? Pour mes... Chestnut Street. Tip top. Oh, il est là, la pizza. Votre pizza sera livrée dans le plus bref délai. D'accord. Donc c'est dans l'autre ruelle. Et c'est bien ici. Livraison de pizza, votre commande est arrivée. J'ai rien commandé moi. Peut-être le patron. Suis-moi. Oui monsieur. Voilà comment on se débarrasse d'un videur. Nous sommes ravis d'accueillir un nouveau client chez Pizza Amore. Bipoup! La meilleure pizza semi-organique de la ville. Tu peux commander de pizza? Pourquoi t'as laissé entrer ce drone abruti? Désolé patron, j'ai pas mangé toute la journée. J'espérais pouvoir casser la croûte. Vire cette machine tout de suite, abruti. Sécurité anti-incendie. Fermez la porte des locaux de la zone dans laquelle le feu s'est déclaré. Avertissez les gens aux alentours et dites-leur d'évacuer la zone. Ah merde, j'ai oublié de prendre la voûte. Suivez les instructions diffusées par les haut-parleurs. Désolé, patron. Pizza Amore, la meilleure pizza, oui.
clavier original était remplacé par un écran tactile. Avant, ça m'arrivait d'en pirater. Mais aujourd'hui, c'est devenu trop risqué. Le Power Gloves. Il n'a pas besoin de télécommande. Avec ta machine, je vais vous écrêter. Pas de truc qui marche là-dedans. C'était pas ça qui fonctionnait pas? Je sais plus. Ah! Solde actuel, 1052. Non, je vais pas. Je vais voir si je peux acheter des trucs et retirer en fonction de. Kit de tournevis. Ah! Eh! Venez ici tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là? Je cherchais des hot dogs. Or, on a un inconnu qui se faufile dans la boutique. Vous pouvez pas rester ici. Et pourquoi? C'est réservé à certaines personnes. Comment ça, réservé? Pas un endroit pour les débutants, gamin. Tu veux voir mon Ultra Glove? N'a que du matos de pointe pour les ingénieurs RVN. Est-ce que vous savez au moins de quoi je parle? Bien sûr, je vais réparer mes lunettes. Mais je suis un ingénieur. Je peux vous le prouver. J'ai acquis un Ultra Glove. Intéressant, faites voir. Ok, alors, toi et ta machine. Vous dégagez, enculé. Je te lui parlais. Ah, il parlait à l'autre. Pas de problème, patron. Je vais vous laisser seul. Et reviens pas demain. Non, t'es viré. Viré. Mais patron ! Viré ! Et n'oubliez pas de nous laisser une note. Bip. Au revoir. Dites-moi plus. Ultra Glove of Power, c'est un truc que j'ai acquis il y a un moment. On peut s'en servir pour contrôler certains appareils. Il y a des capteurs qui peuvent détecter les mouvements de la main. Ainsi que l'accélération et la posture du bras. Ok, j'ai compris. Vous pouvez rester un moment. Ah, merci mon brave. Merci. Bon, je peux regarder ce bordel? Il t'a un turbo kit de tournevis automatique. Rose flashy. Ouais, téléphone. Un téléphone portable Tokyo 1337. Je vais dire 3310. 128 heures de batterie, appareil photo et 32 mégas de mémoire. Putain, 128 heures de batterie, c'était ouf. Non, c'est 24 heures à peine. Un modèle low cost avec une lentille au rabais et mal fixée. La petite interrupteur pour changer la taille de l'affichage. Cette vieille affiche mérite carrément d'être encadrée. La grosse boîte. C'est plein de câbles. Un tas de matériel en vitrine. On dirait que le barbu était un deck de machine rétro. Patouche! Comment vous saviez que je... Je l'ai senti. Ça devient vraiment bizarre.
Un tas de cartes mémoire pas chères. Empile et partage. Voyez plus profondément. Voyez plus élégamment. Voyez avec des lunettes RVR. Bon, Jean-Michel, on va peut-être t'acheter des trucs. Il est relié au toit par un câble qui longe le mur. C'est peut-être une alarme camouflée. Un type aux cheveux gris et un cachet de pirate. Comme dans One Piece. Je parie qu'il a plein d'histoires à raconter là-dessus. Vous me demandez des casques RBA? Ouais, mais j'ai vendu le dernier ce matin. Ah putain, fait chier comme par hasard. Vous pouvez réparer mon casque RVA? Ça se pourrait. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai marché dessus. J'ai cassé sans faire exprès en jouant à un jeu. Vous l'avez sur vous? Ouais, tenez. Les lentilles sont cassées, il n'y a plus de batterie. Vous faudra les deux pour les réparer. Ah. Pardon, pour le reniflage. Et comment vous les affaires? J'ai pas un pleur. On risque d'avoir l'air d'un vieux con. On était quand même mieux, bien mieux avant. Avant toute cette connerie de réalité permanente. Merci Xénon. Xénon la guerrière. Je parle même pas des lois de correction numérique. Ensuite, il y a eu la purge. Je pourrais même pas vous dire tout ce que j'ai perdu pendant la transition. Cet œil, par exemple. Des milliers de disquettes, des raquettes de disques durs. Tout ça parce que quelqu'un a eu la riche idée de tout foutre dans le clout. Le clout à... L'avenir Stadia. Ah ouais, le cloud. Juste un putain de serveur géré par un autre Gus dans une entreprise. Un truc qui vole vos données personnelles. Et qui les vend pour faire la pub. Qui suit tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez. La surveillance de masse comme outil de dissuasion sociale pour faire de vous un mouton. Un mouton. World of Warcraft. Ouais, exactement. Je sais plus combien de fois j'ai essayé d'en parler à mes amis. Mais ils m'écoutaient pas. Ils me regardaient comme s'ils étaient piégés dans une autre réalité. Qui sait ce qu'on va devenir? Si vous voulez mon avis, ça sent le sympa, le sapin pour nous. Le sympa. Ouais, je suis d'accord. Ça sent le sympa. Oh putain, oh mais putain, oh mais putain! Tellement de trucs. Et mon nez, il est au bout de sa vie. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de vieux matos ici. C'est pas illégal. Je veux dire, entre la police magnétique et tout le reste. La police magnétique serait jamais d'accord. Pourquoi vous pensez que j'ai un videur, petit génie? Seul boulot de cet imbécile, c'était de me prévenir en cas de problème. Vous voulez dire que vous aviez un videur?
Ouais, faut que j'en embauche un autre. Ça vous intéresserait pas, des fois? C'est pas une mauvaise idée, mais je vais devoir refuser pour le moment. Je dois vraiment retrouver ma copine. Ah, les relations de couple. Ça fout en l'air des carrières depuis la nuit des temps. Vous tiendrez au courant quand j'aurai réglé mes problèmes. Voilà, là. Il reste encore beaucoup de gens qui ne sont pas pucés aujourd'hui. Ils ont vraiment mis la réalité permanente en avant. Mais on est encore quelques-uns à refuser d'obéir. Préfère nos beaux vieux cinq sens. C'est bon à savoir. Parfois, j'ai l'impression que tout le monde est branché dans cette merde permanente. Si vous voulez mon avis, c'est débile. C'est de plus en plus difficile de gagner sa croûte avec du matos piraté. C'est comme ça que vous gagnez votre vie? Ouais. Je gagne de quoi vivre en faisant de la contrebande. De matériel modé et de logiciels craqués. En fait, je suis là parce que j'ai besoin de composants. Vous êtes au bon endroit alors. J'ai plein de matos ici. Vous êtes sûr de trouver votre bonheur? Merci Roger. C'est un cachet de pirates. Croyez-moi, c'est pas une histoire que vous avez envie d'entendre. Peut-être pas pour le moment, je suis un peu pressé. Mais un autre jour, ça me dirait bien. Et qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai envie de la raconter? Laissez tomber, connard. Vous avez pas peur de vous faire cambrioler? Mon fusil me sert de police d'assurance. Sérieusement? Où est-ce que vous en avez eu un? C'est pas facile de trouver des armes depuis l'interdiction. Vous êtes flic ou quoi? Ça va pas à la tête? Arrêtez de me poser des questions à la con. Ok, du calme, c'est pas grave. Moi, il me faut des piles et une lentille. À plus, connard. Super! La boutique a pas ce qu'il me faut. Mais au moins, maintenant je sais exactement quoi j'ai besoin pour réparer mon casque. Faut que je trouve des lentilles et une nouvelle batterie. Un joystick. C'est super. Un Death Joy Pro. J'en ai cassé plus d'une vingtaine quand j'étais gamin. Warlocks, first position. Millipede, Slot Racing, Frenzied. Je me souviens que mon grand-père me parlait de ces jeux. Ben les pattes, elles sont pas à vendre. Oh là là. Un moniteur modèle 1084. Cet écran bleu a vu beaucoup de souvenirs. Je vais t'acheter ça, je vais t'acheter tout si je peux.
Du truc de... Ah oui, non, ça je l'ai vu. Prends. Je vais acheter le kit de tournevis. Cassez, s'il vous plaît. Prends que la carte de crédit. Voilà ma carte de crédit. Paiement accepté. Merci. Hop. Et je vais acheter les lunettes néon. Ah, un objet rare. Ouf, je les vends pour 1672 crédits. Carte de crédit uniquement, s'il vous plaît. Et voilà. Pourquoi c'est aussi cher? C'est un exemplaire unique. Transaction échouée. Ok, j'ai pas assez d'argent pour ça. Putain. Oh là là, concentre-toi, mec. Je vais acheter le vieux téléphone portable. Ça fera 15 crédits. Carte de crédit uniquement. Oui. Ouais, ma carte. Pas chier. Ils m'ont accepté. Merci. Super. Je vais acheter la statuette holographique. 85 crédits, s'il vous plaît. Oui, la carte. Toujours. Et m'a accepté, merci. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Le kit de tournevis. On va démonter ça, pas question. On va démonter la télé. Ça marcherait pas. Pas à peine de fournir, ça marche pas, oui. Qu'est-ce que je peux démonter? Ça n'a aucun sens. Pas de vis à vis. Eh putain, bordel de cul! Ça ne fonctionne pas, il me faut un tournevis propriétaire. Oh là, bordel de cul! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette merde? Casse! 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 Putain. Ah. C'était Médoc, pourquoi? Je peux pas en donner au clodo. Ah, la musique elle est forte hein, quand même. Attends. Salut Jean Valjean. Y'a pas besoin d'une autre dose. Tu fais des nouilles. Tu veux quoi? Incroyable. Clodo, tu veux des nouilles? J'en veux pas. C'est ma peine. Dégage. Pas de vis à visser. Comment que tu sais? T'es même pas à côté. Oh, aucune des tours, aucun des vis ne correspond, bien sûr. Hey, Médoc au vieux.
Je vais lui acheter une bière dégueu et je vais la donner au clodo. Enfin, je vais essayer de mettre les médocs dedans si c'est possible. Pas la pilule, plus facile à avaler. Oh. Ouais, lui, c'est... Et putain, ça y est. Tiens, prends ta bière. J'en veux pas. Connard. Ouais, mais prends la bière, s'il te plaît. Ah. J'ai pas envie de m'en débarrasser. Ah, ça fait chier, merde. La soupe. Oui, faut se dépêcher avant qu'elle refroidisse. Vous devriez essayer les nikirki. Les ramen. Les... J'ai pris tout le menu. Je peux pas utiliser. Ah, les médocs sur les maquis, non? Ah, vite, et les maquis sont là! Putain, mais lui, qu'est-ce qu'il bouffe? Ça veut dire que si l'autre il touche pas au maquis, c'est que c'est l'autre qui les prend. Inch'Allah.
Espèce dure à maquis. Ils sont les maquis. Qu'est-ce que c'est que ça? Et d'amamé mal cuit. Une assiette de maquis, c'est super. Hop. Ah, il va se passer un truc, ça y est. Ouais, ça y est, il devient fou. Qu'est-ce qui se passe? C'est un goût bizarre. J'ai l'estomac qui me brûle. Ah, cette nourriture est pourrie. Non, vous allez bien. Je me sens pas bien. Une ambulance, j'ai besoin d'aide. Le plat est périmé, il y a quelque chose dedans. Je vais faire un signalement. Non, non, calmez-vous. Je vais arranger ça, s'il vous plaît. Ah, vite, pendant qu'il fuit. Je dois faire. C'est terrible. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Non mais c'est cassé, je vais pas les mettre. Qu'est-ce que je pourrais foutre? Il fuit comme un débilus, il y a bien un truc à faire là-dedans. Putain, c'est vrai. Oh, mais putain, va chier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je lui parle, il va... Voilà, putain. Un truc à faire.
Tu veux pas un truc? Je vais te donner des trucs. Pourquoi il veut pas démonter le... la lentille qui est mal fixée? Je veux pas. Connard. Tu veux un téléphone? Nique ta mère. Qu'est-ce que je peux bien faire? Toi, tu me répares ça? Je t'ai mort? Mange encore plus, t'es mort? Casse-toi, d'accord. T'intéresse pas, d'accord. Je veux une télé. Pourquoi ça marcherait pas? Je te dis que la lentille a cassé. Je suis complètement paumé et je vois pas ce que je pourrais faire. Le RAM a plus ce qu'il faut pour réparer mon casque, une batterie, enfin des piles, je crois. Une lentille. Oui, mais justement, le truc il était mal placé. C'est pour ça que j'ai pris le truc comme graphique. Ah! Attends, je vais. C'est vrai que j'ai un établi à la maison. Mais oui, mais con, ça peut peut-être marcher. Tiens, prends ta moto. La maison. Mais oui, pourquoi j'ai pas pensé à vous? Pas mettre un truc au micro. Ah, il y a ah, le petit robot. J'avais pas ça avant. L'objet décoratif n'a rien à faire ici. Une vis à vis sexus.
Mais... S'il te plaît, mets-la sous la douche. Ouais? Pourquoi pas? Message pour moi. Vos messages entre eux. Message de AED Electronics. Appel de PM. Nous espérons que la planche que vous avez envoyée le matériel. C'est un rappel de votre premier PM. Ce message si vous avez déjà réglé cette somme. Comment ça va aujourd'hui? Je suis incapable de prouver des sentiments si repos. Prévisions météo. Quelles sont les prévisions météo? Aujourd'hui, pluie. Demain, pluie. Oui. Ok. Et mais c'est peut-être aussi à prendre à laisser partir. Ta gueule, je croyais que t'avais pas de sentiment, connard. T'es un petit malin, hein. Et j'ai 1000 gigas de mémoire. Je peux y accéder en intégralité en l'espace d'une nanoseconde. Faire quelque chose d'utile au moins. Sans pouvoir, je n'ai aucune responsabilité. Fais-moi le diagnostic. Je suis pleinement opérationnel et tous mes circuits sont en état de marche. T'as de ferraille. Merci à Windows. Nous sommes ce à quoi nous pensons. J'ai le soleil. Ah oui, il faut que j'essaye des trucs avec les micro-ondes. Je sais pas quoi faire, ça y est, je suis paumé, ça y est. Pour un gâteau de suicide collectif, on va éviter pour aujourd'hui. Sa grimace ne me dit rien qui vaille. Ouais, la même. Modèle pas cher, avec une lentille de mauvaise qualité et mal fixée. Oui. Je sais pas, pète la lentille, fais un truc. S'il y a un coup de marteau, je sais pas, on peut aller si tu veux.
aucun sens, mais bien sûr que si, ça a un sens. C'est terrible. Pourquoi il veut pas? Mange tes morts. Oh là là. C'est pas à faire avec le codo. C'est lui qui veut pas envoyer les cartouches. Ah si, je fais sonner l'alarme. Bon, on va essayer de faire un truc. C'est cassé, on le sait. Je vais regarder un truc et puis après, si ça va pas, ça va pas. J'ai 937 balles. Je peux rien faire. Ah ça j'ai pas fait. Qui servent à verrouiller les portes. Clavier numérique de 10 numéros qui sert à verrouiller des portes. D'accord. Je connais pas le code. Bon bah YouTube, on va se laisser là et réfléchir à la prochaine fois. Merci, à plus.